Bonjour chers parents, chers élèves. Je vous présente aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser un logiciel que j'adore et puis qui pourrait être utile à ceux qui en ce moment n'ont pas d'imprimante ou ceux qui voudraient économiser l'encre de leur imprimante. Donc, c'est un logiciel qui s'appelle PDF Exchange Viewer et on le retrouve très facilement en faisant une recherche Google. Moi, j'aime bien le site Comment ça marche. On peut le trouver à plusieurs endroits. Moi, je télécharge souvent des logiciels sur ce site-là et c'est un site de confiance, donc je vous le recommande. Donc, vous allez le retrouver ici, puis vous pourrez le télécharger là, avec ce bouton-là. Un coup que c'est fait, je vais vous montrer de quoi ça a l'air lorsqu'on ouvre le logiciel. Donc, c'est comme ça, il est vide, c'est gris, c'est normal. Il faut ouvrir un document PDF. Donc, ce logiciel-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nous permet d'écrire à l'intérieur du PDF. Donc, sans avoir à imprimer les documents. Donc, par exemple, vous pourriez ouvrir la trousse que je vous envoie à chaque semaine et au lieu de la faire imprimer ou écrire les réponses sur une feuille à part, là, directement écrire à l'intérieur. Donc, je vais ouvrir un document, par exemple, tiens, celui-là. Donc, c'est un document PDF. Ce qui est très important de vous dire, c'est que vous pouvez personnaliser votre barre d'outils ici en haut. Et il y a une chose qui est quand même très intéressante, d'installer sur notre barre d'outils, c'est la barre d'outils propriété. Donc, pour l'installer, cette barre d'outils-là, vous allez aller dans Affichage, barre d'outils. Et c'est le dernier ici en bas. Donc, barre d'outils propriété. Assurez-vous que c'est sélectionné, qui est installé. Ça va travailler beaucoup mieux par la suite. Donc, je vous explique en bref les fonctions de PDF Viewer, comment ça pourrait vous être utile durant le confinement. Alors, si votre enfant a un exercice à faire et qu'il a des réponses à écrire, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est la machine à écrire. Donc, vous cliquez sur cette fonction-là et vous cliquez n'importe où, là, où est-ce que vous devez écrire la réponse et vous pouvez écrire très facilement. Donc, en cliquant ailleurs, vous pouvez ajouter autre chose. Voilà. Ici, on a les polices d'écriture, on a la grosseur, caractère gras, souligné, italique, la couleur de l'écriture aussi. Vous pouvez complètement paramétrer cette barre d'outils-là ici et cliquer sur Mettre comme défaut. Ça va mettre votre style par défaut, donc vous n'aurez pas à toujours modifier là, la police et la grosseur. Ensuite de ça, il y a une autre fonction, pardon, qui est intéressante, c'est le surligneur. Donc, par exemple, quand votre enfant fait des compréhensions de lecture en classe, on surligne souvent des choses là, dans nos textes ou dans les questions. Donc, ça peut être un outil quand même très intéressant. On peut aussi souligner des passages, on peut barrer des passages. On peut dessiner des flèches, des lignes. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment beaucoup de choses. On peut dessiner des cercles, des rectangles pour encercler des réponses. Ah oui, il y a l'outil la petite main ici. Ça, en fait, c'est pour déplacer les objets que vous avez faits. Donc, par exemple, ma boîte de texte de tout à l'heure, je pourrais la déplacer. Ensuite de ça, grossir, rapetisser, la flèche de retour qui est importante, ça nous permet d'effacer la dernière chose qu'on a fait. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, en tout cas, vous pourrez aller l'explorer, c'est vraiment intéressant. Et puis, important, si on veut garder nos modifications, faut aller enregistrer le document. Donc, la prochaine fois que vous allez ouvrir votre PDF, vous allez voir les réponses que vous avez écrites, le surligneur et tout ce que vous aurez fait dans votre document. Alors, voilà, j'espère que ça va vous être utile. Au revoir.